C'est un club où il y a toutes les équipes à un haut niveau. On sait que voilà, les petits clubs euh, qu'on a fait nous on, toujours on prise un peu, euh, on en un peu ces clubs-là. On veut être comme eux parce que voilà, on sait que ça, mmh. ce que ça peut rapporter aussi, bah, un peu des, des mmh. meilleurs joueurs, une visibilité, tout ça. Comment, comment on, on, on fait pour avoir euh, un club parce qu'ils ont commencé aussi en bas. Mmh. Comment on fait pour atteindre ces niveaux-là, mais partout. Pour toi, c'est quoi le secret de ça ben après, nous comment on a fait. Euh, à la base, on avait une école de foot qui travaillait assez bien. Donc, tu as des générations. Moi, je pense, tu vois, je prendrais l'exemple de tous les clubs, les mmh. petits clubs, c'est l'école de foot, la base. Tu vois, l'école de foot, c'est là où tu génères les générations, les petits qui aiment être ensemble, mmh. les petits qui ont des, des souvenirs positifs du club. Tu vois, tout part de l'école de foot. Mmh. Tu vois, des bonnes générations à l'école de foot peuvent te faire monter, tu vois, tes équipes mmh. plus haut. Une fois que tu montes, après, il faut se maintenir. Mmh. Tu vois, du coup, il faut continuer à bien travailler à l'école de foot il faut continuer à travailler bien à l'école de foot après il faut pas se mentir que tu as, as une notion de recrutement qui compte parce que tu ne peux pas avoir juste dans ta ville tous les talents pour un sport comme le foot tu vois tu peux pas avoir des top mmh. attaquants des top défenseurs des gardiens tu vois donc à un moment donné il va falloir être capable d'aller recruter aussi à côté et ça c'est basé aussi sur la réputation positive que tu vois les gens ils ont de toi ça compte. Alors, oui. Tu vois, mais, mais, mais moi, je, je trouve que c'est intéressant de mettre le doigt dessus. C'est que tu as quand même parlé au début d'avoir quand même un vrai, un, une vraie école de foot qui travaille. C'est ça, c'est ça. Parce que je connais ouais. des clubs aussi, tu sais, que des fois, ils bah, il, il donnent des minimus à des éducateurs qui vont chercher mmh. des gamins, des machins, mmh. mais après, tu montes, c'est bien, mais après, sur la durée, le long terme, est-ce que tu gardes tes, ces canaux Non, c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit que pour moi, le ciment, c'est l'école voilà. de Donc foot. Toi, mmh. Tu mais le vois parce clubs, que... Tu leur proposes ça, c'est vraiment mais bien clairement, sur Parce qu'en qu en fait, mais honnêtement, là, nous, la génération dont on a fait truc et on monte là... Il y a beaucoup de jeunes pour la 18B et plus la 18A. Tu as beaucoup de jeunes qui ont été à l'école de foot. C'était une bonne génération. Mmh. C'est aussi pour ça qu'au début, quand je prends la, la mission, j'ai à l'esprit cette génération-là qui est capable d'eux, mmh. qui a été à l'école de foot, qui était bonne à l'école de foot, et auquel tu vas venir rajouter des garçons qui vont se lier à eux. Tu vois? Mais le fond, c'est eux. Et en fait, si les clubs plus bas envoient des bonnes générations, tu vois, des petits qui aiment la ville, qui aiment le club, tu vois. Mmh. Ils resteront ensemble, les petits, d'une façon ou d'une autre. Même s'ils partent à un moment donné, ils reviendront. Parce que c'est leur pote, euh, tu vois, c'est leur repère. Et du coup, si la, ta base, elle est de qualité, tu vas réussir à venir rajouter mmh. autour euh, mmh. d'autres joueurs de qualité pour être performant. Donc, pour moi, quand tu pars d'en bas, c'est ton école de foot, tu vois. Mmh. C'est ton école de foot qui fait. Et après, plus tu vas monter, plus effectivement, comme je te dis, c'est la réputation aussi qui est qui va faire la différence, tu vois Là, il va falloir que tu t'occupes bien des garçons, même qui viennent de l'extérieur, qui, qui passent chez toi, parce que ça va conditionner le oui. futur, tu vois Les prochains qui vont venir, ils reviendront, parce qu'ils sauront que, oh, en fait, il y avait tel mec dans mon quartier, il est parti jouer euh, dans tel oui. club, ça s'est bien passé, il s'est développé, oui. tu vois Il a vécu des choses qu'il n'a pas vécues chez nous. Ça donne envie, tu vois Et ça, ça compte. Après, une fois que tu as les joueurs qui sont là, formés ou recrutés, après, il faut que tu aies un projet de cohérent, que tu connaisses bien le niveau de la compétition, tu vois, etc. C'est important tu parce vois. que tu as beaucoup de... de ça. Niveau, Mais vois. le fond, c'est... Ouais. Pour moi, c le fond, c'est la construction de tes générations à l'école de foot. Et, et par rapport à ça, justement, vu qu'on parle de l'école de foot, est-ce qu'il y a une part importante de joueurs issus de l'école de foot dans ton, dans ton pôle de U15 à U19, justement Oui, quand même, oui. Là, sur le, ben, les U15 qui montent en 15 R1, c'est beaucoup de garçons issus de l'école de Donc, foot. Pourcentage, quoi, tu ouais. combien... Sur les équipes A, on va dire. Euh, ça, 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 en fait, en nationaux, c'est différent. Nationaux, Soit... tu pas ouais. beaucoup. National, sur la génération. Beaucoup. Non, sur la génération de l'année d'avant, ils étaient beaucoup. Tu vois, dans mon groupe, il euh, y en a peut-être 11 ou 12 qui ont joué, qui étaient à l'école de foot. D'accord. Voilà. Ah ouais, bon, quand même. C'est un vrai, ça, Mais ça, ça. ça c'est exceptionnel. C'est pour ça. ça c'est un vrai indicateur, quand même. C'est hein. ça. ça c'est exceptionnel. C'est-à-dire que nous, on a trois générations comme ça. Tu à franchement, tu me le dis, je te crois, mais honnêtement, mmh. euh, je n'aurais jamais pensé ça. J'aurais pas cru. Ça. quand on voit que certains clubs en 11 ils ont déjà plus un joueur du club <laughs> ouais c'est vrai ouais, <laughs> ouais c'est ça après c'est le, le travail en débutant tu vois ouais. tout on en fait tout compte tu travailles bien en débutant après en édition' C'est tu de ton c'est ça c'est normal c'est ça mais c'est pour ça je te dis c'était une génération très particulière mmh. tu vois mmh. c'est cette génération là tu vois l'idée c'était de miser sur elle aussi tu vois et là on monte en 19 nas on ouais. est monté en 18 b mmh. tu vois ouais, là justement on parlait ça en off à contrario des clubs qui qui Ont chuté ou qui ont baissé parce qu'ils ont délaissé l'école de foot et mmh. comme fait, ça part de là en fait. Oh, c'est la fondation de, de ton bâtiment. Si c'est solide, bah tu veux le garder en U14 qui vont faire monter l'équipe en U15 en U16 mmh. et je pense que c'est la base de tout d'un club en fait. Vraiment, mmh. ils sont pas très la, hein. la réglementation. Ouais, c'est ça. On est passé à quatre mutations de toute ouais. façon. Mmh. Mmh. Donc, euh, essayer de recruter 1000 euh, et mille et une personnes. Ça plus forcément, ça plus forcément d'intérêt. Après ça, sur a... ça encore il y a des choses, tu vois, tu, tu vois, tu peux recruter avec une année d'avance. Tu, oui, tu peux oui, faire oui, des oui, choses oui, comme oui, ça. Mais ce que je veux dire c'est que ce qui est important vraiment sur l'école de foot, c'est le, le comment s'appelle l'histoire commune qu'ils ont. Vraiment ça compte. Je vois là on a, j'étais avec eux puisqu'on faisait le truc de fin d'année. Ils te racontent de ce que l'autre faisait quand il était en U11, il nous a déjà ah. fait perdre le tournoi, tu vois. <laughs> Donc donc les petits ils sont liés en fait. Et, et tu vois toi demain dans ton travail d'éducateur c'est plus simple. Tu vois, même si demain tu en R3 ou en R2, c'est facile d'attraper le mec et de lui dire vas-y, tu sais, reviens jouer avec tes potes, on veut faire un truc ensemble, etc. Mm -hmm. Tu vois, c'est plus simple. Mm -hmm. Le petit, s'il n'a pas d'attache, pas de lien avec ton club, qu'est-ce que tu vas lui dire Après, ce que l'attache aussi, tu l'as aussi, ce qui favorise aussi, toi, c'est que tu as des catégories à haut niveau. Donc, non, mais tu vrai, je t'ai parlé de R3, mais non, de mais ce que je vous dis, c'est que en étant R3, euh, R, R3 en 18, okay. il, y a quelques, bon, il y a 10 ou 12 ans maintenant, on était en R3. Moi, quand j'étais à choisir le roi ouais. j'avais joué contre Montrouge. C'est cette année-là qui monte. Donc, ça, tu vois, c'était à 13 ans, je pense. Donc, ça part de R3, on est en nationaux mmh. aujourd'hui. Donc, mmh. on est parti de là aussi. Et à l'époque, mmh. même qu'on monte en 17 ans nationaux, c'est des petits un peu aussi qui ont, qui ont fait leur préfaut, leur école de foot mmh. qui nous font monter. Mais c'est voilà. ça que c'est bien, on va finir là-dessus, mais c'est qu'en gros. Tu, tu, tu veux vraiment mettre l'accent sur la formation en école de foot pour pouvoir atteindre ces niveaux-là C'est ça que je veux vraiment que tu. Moi, je pense, après, ouais, après, moi, c'est ce que je pense. Après, d'autres, tu vois, je sais pas. Après, moi, ce que je pense. il y moi, en a qui pense... qu recrutent ailleurs, mais sur ouais, le long ça. terme, pour que ça soit vraiment. Non, ce que je veux ouais. dire, c'est que tu peux recruter quand tu commences à être un niveau intéressant. Mais par exemple, on va dire, tu parles d'un club, tu es en R3. Ok, comment tu montes Tu vois, parce qu'à côté de toi, il y a plein d'autres clubs en R3. Mm -hmm. Tu en as plein qui sont en R2. Et tu les meilleurs, as des ouais. clubs de R1. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc, toi, de ta R3, comment tu montes tu monteras forcément avec des petits qui aiment ton club qui ont l'adhésion tu vois ce que je veux dire le très bon joueur qui est capable d'aller jouer plus haut mais qui va rester là parce que ça lui parle de faire monter son club tu vois et ça tu le construis ça, un comment aussi avec le projet club et tout c'est ça mais tu le construis comment tu le construis à l'école de foot tu le construis ça. tu vois tu le construis chez les petits et c'est là que tu vas lui dire ok fais une année chez nous emmène nous et le petit sera fier à la fin mais vraiment il sera fier il va dire ok j'ai fait ça pour mon club avant de partir etc mmh. Moi, je suis vraiment content d'entendre ce que tu dis là parce qu'en fait, je sais qu'à l'école de foot, il y a beaucoup d'éducateurs qui se sentent des fois pas, pas nuls, mais ouais. Fin, ouais, pas mm -hmm. concernés par tout ce qui se passe là-haut parce que mm -hmm. du coup, là, c'est un message d'espoir. Et si toi, si tu avais des conseils à donner à des éducateurs en école de foot ou des, des, une ligne directive, ce serait quoi aujourd'hui Moi, je ne suis pas très fort à l'école de foot, honnêtement. Okay. Là, comme je disais, tu vois, j'ai oh, okay, commencé tout de suite chez, au foot à 11 et c'est maintenant que j'ai coaché les U11 dans un autre club dans quatre ans cette année parce que, tu vois, je voulais... T'es pas très bon parce que tu pas trop le faire. Je pense qu'il serait bon. Parce que, vraiment, je pense... parce que Non, je n'ai pas dit que je ne suis pas bon parce que pour moi, l'expérience compte. Oui. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à un moment... En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu moi quand j'ai fait mes débuts d'éducateur tu vois comme je disais j'avais déjà fait tous les matchs PlayStation etc et, et Ligue des champions donc je suis arrivé je me disais ok je sais déjà des choses ah, etc des gens qui, tu uh, vois qui pas trop faut pas utiliser cette phrase là vois, non, non. non c'est ça après, après tu vois, non, mais c'est c'est ça mais au début tu vois je suis arrivé je me suis dit, ah je sais tu vois je savais déjà des choses etc et en fait tu découvres que non en fait il y a plein de choses que tu ne sais pas ouais, bah, tu vois sûr. et en fait c'est quand tu fais que tu expérimentes ouais. tu tentes tu trompes tu ouais. corriges et tout que tu te rends compte que ah ouais oh, en fait je me suis trompé et du coup par rapport à l'école de foot c'est ça pour l'instant j'ai coaché ben, cette année, une fois DU11, j'ai coaché deux fois DU13, et pour moi, ce n'est pas suffisant pour avoir euh, tu vois, une vraie analyse ou tu vois, oh, du recul je sur l'école de foot. Mmh, tu vois pour moi, à un moment donné, quand tu l'as fait 4, 5, 6 ans, là, tu commences à voir. Tu vois, as tenté un truc une fois, ça n'a pas marché, tu as changé, ça n'a pas marché, okay. jusqu'à ce que tu finisses par trouver un truc qui marche vraiment. Et tout, tu vois Après, pour moi, je pense que les petits, par nature, en tout cas de ce que j'ai vu, tout ce que tu vas faire avec bienveillance et engagement, va les développer, dans un sens ou dans l'autre. Tu vois, si tu as un code hyper tactique, tu fais que des trucs, même si ce n'est pas conseillé sur ces catégories d'âge-là, tu vas les aider quand même. Tu vois, si tu fais beaucoup de choses euh, un peu euh, sur la motricité, etc., tu vas les développer. Donc, en fait, les petits ils sont à un âge où c'est des éponges et limite, peu importe le chemin où tu vas les emmener, tu vas les faire avancer. Tu vois, okay. après, il ne faut pas non plus, je pense que les clubs ne doivent pas non plus être nubilé par que le haut niveau. Parce que ça Non, c'est ça, exact, plus. exactement. C'est ça. Les y a des c'est petit... un truc, on n'avait pas les moyens non plus. Je sais pas si ça. toi, par exemple, parce qu'il a déjà Anthony maintenant, donc je sais pas s'il si va. Tu veux monter en nationaux aussi toi Oula oula oula. <laughs> non mais, est bien non, que mais reste sincèrement. Niveau. Ta question elle est, elle est très pertinente parce bien que sûr, merci, euh, merci. faut pas. Oui, pour une fois. <laughs> mais il euh, faut, faut aussi euh, comme, on, comme il disait tout à l'heure par rapport aux joueurs. Il ne faut pas voir que là-haut et se dire ça. que la réussite, ouais. c'est ça. C'est pareil. Hein. Euh, moi, pour le projet d'Anthony, pour, pour ne rien mentir, pour ne ouais, rien cacher… Il même pas recruté. Euh, le... C'est incroyable. Arrête, arrête, arrête. <laughs> le téléphone, il a sonné, tu as refusé. Mais euh, pour être plus sérieux, euh, moi, tout de suite, je n'ai pas fixé d'objectif de niveau, par exemple. Mmh. J'aurais dit déjà… Il faut analyser, faire un diagnostic de ce qu'on ouais. a et de travailler ensemble. Après, on verra. Le, si on ça. travaille bien, le niveau il va arriver. Mais ouais. ça ne sert à rien de se dire Ouais, c'est faux dans, de se dire que ouais. l'épanouissement, il n'est que en national. Bah oui, tu ah vois, vois, non, vraiment. Il y, a des, il y a des petits qui ont vécu des saisons, en, je ne sais pas, je vais te dire en 17 R2 ou R1, ou, ou tu vois, qui ont été largement plus heureux que des garçons qui ont joué en national cette sûr. année, ouais. clairement faut pas se mentir, je trouve que c'est ce qu'on perd aussi, ce qu'on perd ce côté où en fait, c'est un jeu, on rigole, ça, on a envie ça. de mettre des petits ponts, tu ouais. vois, des ouais. petits coups, tu vois ce que je veux dire ouais, il Faut continuer. Son, oui, non mais vraiment, il faut <laughs> continuer à pouvoir jouer et prendre du plaisir, tu vois. Je trouve qu'à un moment donné, on exclut ces gens qui viennent au foot pour s'amuser, tu vois. Mais toi par rapport à ce côté plaisir, comment toi tu arrives parce que tu es sur un groupe U17 Nationaux, tu vois hum où il euh, y a l'exigence, la rigueur, mmh. la. Bien <laughs> Comment tu mets ce côté plaisir dans, dans tes séances ou dans ton discours Mais moi, déjà, à la base, tu vois, on va rester sur le développement du joueur, etc. Ouais. Pour ouais. moi, j'accorde beaucoup d'importance à ce que les joueurs, ils aiment faire. Tu vois Des fois, un, un petit va me dire, OK, je suis un bon gardien, mais moi, je n'aime pas gauler. Tu J'ai du mal à travailler avec un petit qui fait un truc qu'il n'aime pas faire, mais qui le fait juste parce qu'il se dit, ah, je vais réussir en faisant ça, mmh. tu vois. Donc, du coup, pour moi, on est dans le plaisir. Tu vois, il faut que lui prenne du plaisir dans ce qu'il fait. Donc, c'est la base. Vois, on va même pas sur le contenu de la séance, etc. Parce que ça, ça rentre en compte dans autre chose. Mmh. Mais répéter des gestes que tu aimes faire, tu prends du plaisir. Mmh. Tu vois. Si tu aimes faire des transversales et que ton coach te met un poste où la mission principale, c'est de faire des transversales, tu vas kiffer en fait. Mmh. Tu vois, juste ça. Mais tu vas faire ça. que des trucs. Et donc, pour moi, c'est vraiment la base de, de tout le truc. C'est qu'en fait, trouver des garçons, moi, je, je sais ce que j'aime voir en tant que coach. Tu vois. Je le sais, j'en suis conscient. Donc moi, je cherche des garçons qui aiment faire ce que j'ai envie de voir. Tout simplement, oui. tu vois. Et du coup, après, c'est fluide. facile. Parce que lui, qui fait ça, moi, c'est ce que je veux qu'il fasse. Donc, oui. c'est bon, tu vois. On est mais, est ça, mais le truc d'aller dire, ok, tu as des qualités pour faire ça, mais tu n'aimes pas le faire. Oui. Mais si tu veux aller au haut niveau, il faut que tu le fasses quand même, nanana. Oui. Tu vois. C'est là où tu ah, vois, as je ne suis pas... Tu Je suis pas ah, dedans, que, tu vois. Je, je, je me suis déconnecté parce que tu m'as parlé des petits ponts et moi j'étais traumatisé par un petit pont quand j'étais jeune. Je me rappelle, je jouais contre le stade René à l'époque, c'était en U17. Je, non, c'était en U15 ou U17, je ne sais plus. Et, et, euh, voilà. et J'avais un petit, parce que moi j'étais lié droit, et il y avait un petit en face de moi, j'ai bouffé le lieu de ça avant que tu vois. Un petit lunette, tu vois, les mecs avec les lunettes là, lunettes, cheveux longs et tout. Je te jure, hein, il prend la balle, il fait, il fait un petit jet avec son corps comme ça, moi je, je fais comme ça, et puis il fait pas une virgule, petit pont, et t'as tout oui. le monde à la poterie là, qui crie ah, ⁇ comme ah, Ça Ça t'a marqué. Hein. ⁇ Ah mais ça là Ça m'a marqué de ouf, de ouf. C'est pour ça que je... tu n'as pas dû revenir sur ces mmh. <laughs> <De> mauvais <laughs> souvenirs. Non mais c'est vrai que c'est intéressant.